De 2015 au 3 janvier 2022, il a été saisi sur notre territoire 32 tonnes et 336,538 kg d'herbes de cannabis. Il a été saisi 21 tonnes et 466,986 kg de résine de cannabis. 16 212 035 comprimés de diazépam. 50 972 631 comprimés de tramadol. 228 kg et 185 grammes de cocaïne. 121 038 comprimés d'amphétamine. 8 kg 98 de méthamphétamine. 2 kg 211 grammes de crack. 1353 comprimés d'éphédrine et 481,75 grammes d'héroïne. Au nombre de personnes interpellées dans le cadre de ce trafic, 15 709 hommes et 337 femmes qui étaient impliquées dans ce trafic. La valeur marchande des drogues saisies s'élève aujourd'hui à 93 643 473 997 francs CFA. Il est bon que le débat ou le faux débat qui est fait tendant à dire que le pays est devenu un pays de narcotrafiquants, qu'il y aurait des complicités au niveau de l'administration publique ou des autorités, que ce débat cesse. Le gouvernement ne couvre personne, le gouvernement n'a aucune intention de couvrir qui que ce soit, et toute personne impliquée dans ce trafic-là fera face à la loi.